Bonsoir et bonjour. Comme vous connaissez déjà, ça dépend à l'heure à laquelle vous allez regarder ou écouter la vidéo. Je voulais parler de Langassi depuis l'autre jour qu'elle a fait sa sortie avec Apuchu National. Mon frère, ce que Langassi a fait a payé. Je vais vous dire pourquoi ça a payé. Parce que il y a ce qu'on appelle la stratégie de la communication. Beaucoup entendent seulement parler. Il y a encore plusieurs types. Donc, il y a des sous-types de stratégie de communication. Langassi, là, Kleka, ce qu'elle a fait avant Apuchu, on a dit que c'était le beurre. Vous voyez, on ne parle plus de ça et c'est fini. Ça s'est terminé par quoi? Arrangement à l'amiable, d'après Apuchu. Et quand il va falloir faire mousser encore la chose, ils vont encore s'organiser comme d'habitude. On a vu sur la toile ici, là, même Jessica est venue parler. Il semble qu'elle avait préparé des choses comme ça. D'après ce qu'elle a dit, Apuchu lui avait suggéré des choses comme ça. Et ça n'a pas marché, quoi, entre les deux. Donc, c'est pour vous dire d'abord d'office que c'est un buzz, c'est un truc organisé. Je suis parti. Bon, quand ça a chauffé dernièrement, là, entre les deux, j'étais parti. Cette Claire, là, moi, je ne connaissais même pas d'avoir son nom. C'est quand je regarde sur Facebook certaines vidéos où il y a la fille avec le pantalon jean et les fesses sont percées derrière. Donc, déjà, elle a découpé ça. Il y a les deux boules de fesses qu'on voit par derrière. Elle se promène partout en France. C'est là où je me rends compte que c'est elle. Et aussi, la vidéo où... C'était même la vidéo. Je crois que c'était une photo. Hein. Sur Facebook, j'avais vu, il y avait le levier de vitesse comme ça. C'était... En quelque sorte, en forme de pénis, en forme de, c'était un gold qu'elle avait mis. Ça a fait beaucoup de vues. Moi, je ne savais pas que c'était elle. Bon, moi, je ne la connaissais pas en tout cas. C'est en regardant ces deux vidéos, ces deux trucs que je viens de citer là, que je comprends qu'en fait, c'est une fille qui est sur la toile depuis. Parce que c'est la vidéo, surtout à le pantalon, dit ça date de depuis, je crois, l'année passée ou surpassée. Hein, je ne connais plus trop bien. Mais j'avais vu ça, ça avait un peu fait les bruits. J'avais vu ça chez Fashion Police Congo, ça. Il avait posté encore pour une autre blanche, que pour elle était encore différente. Voilà. Tout ça pour dire quoi? C'est qu'elle organisait avant Apuchu. Je dis bien organisé. Organisé. C'est le buzz. C'était le buzz. Et ça va prendre une autre tournure. Allez sur la page YouTube de Kleka, par exemple. La page YouTube. Avant de faire ce buzz avant Apuchu, l'autre jour j'avais contrôlé, c'est que j'oubliais seulement. Pendant que le buzz là se passait, je vois même que ses vues ont augmenté. Hein, parce qu'à cause du buzz, les gens sont partis un peu fouiller. Elle n'avait même pas, je vois ici 75 vues, 157 vues, 62 vues sur certaines des vidéos. Il n'y avait pas tout ça. C'était les 10 vues, 11 vues. J'ai même fait une erreur. Donc moi j'aurais dû faire une capture d'écran. C'était les 10 vues, 11 vues, 12 vues. Il n'y avait pas quelque chose qui atteignait 50 vues là-bas. Bon, je crois qu'il y avait peut-être un truc qui dépassait 50 vues. C'est la vidéo où elle disait qu'elle brossait dans le champagne. Ça a fait mal sur Facebook, mais sur YouTube, ça n'a pas fait mal. C'était quand même un peu long. Donc, les gens aussi, en venant regarder qu'est-ce qui se passe là, ont dû aussi toucher un peu d'autres vidéos pour voir de quoi il s'agissait. Moi-même, je l'ai fait. Ce qui fait en sorte que ça a augmenté un peu les vues. Maintenant, regardez la vidéo là. Quand... elle a fait ça, le jour que moi je suis allé regarder, elle était dans les 8000 vues déjà. Hein. Quand ça a commencé à avoir Apuchu, elle était dans les 8000 vues. Après, si je suis venu regarder, elle était dans les 16000 vues. Elle dit qu'elle va faire la vidéo, que son buzz est en train de prendre. Actuellement, que je suis en train de faire la vidéo, là j'ai un téléphone à main. Elle est à 75000 vues. C'est que je suis en train de voir, 75000 vues. Et s'il vous plaît, la vidéo là, est monétisé, donc ça veut dire elle a monétisé, ça veut le content ID. Ça veut dire que si on joue ça, sa chaîne YouTube n'est pas monétisée. Si je mets la vidéo là ici chez moi, ça va prendre. Donc n'importe quoi que je vais mettre sur Facebook, même ceux qui jouent là, comme Flor de Lille a joué ça dernièrement dans sa musique là, elle a gagné de l'argent. Donc peut-être là où elle est là, peut-être qu'elle est revenue avec tout son argent qu'elle a donné à YouTube pour faire ce buzz. Peut-être qu'elle rentre déjà. Vu les 75000 vues qu'elle a, ça fait un bon agent qui est entré, forcément. Chaque fois qu'elle-même, elle joue d'avoir sa musique, matin, midi, soir, sur sa page.
elle joue sa musique. Ailleurs, elle joue. Forcément, sur YouTube, elle vient. Si quelqu'un prend sa musique, il met ailleurs, il n'y a pas de problème. Elle va gagner de l'argent avec. Si quelqu'un joue, on met ça dans un direct, comme Florian a fait là, on prend, on met. Elle va gagner de l'argent avec. J'ai publié même la vidéo de Marie Larose qui jouait ça. J'ai voulu enlever la musique là, mais quand j'ai constaté que sa musique était monétisée, ça pouvait lui faire gagner un peu d'argent, j'ai préféré laisser. J'ai préféré laisser. Disant que bon, quelqu'un peut payer à Poutou comme ça pour faire le show. Et quand tu enlèves la musique là, ça ne va pas être bénéfique pour la personne. J'ai dit que bon, je laisse avant de voir ce qui va se passer par la suite pour qu'elle puisse au moins récupérer quelque chose. Donc, si la vidéo de Marie Larose a tapé dans les 3000 vues comme ça en montant, les 3000 personnes là, lui ont donné peut-être de l'argent. Vous voyez un peu. Donc, c'est aussi ça, c'est la stratégie. C'est ce qu'elle a fait là vraiment avec Apuchu, c'est une bonne chose. C'est comme ça qu'on dit il faut exploiter le net de votre manière, à votre manière. Ce qui est sûr, ça va encore éclater l'arrangement à l'amiable qu'elle a eu avec Apuchu pour faire monter encore cette vidéo ou bien préparer à la prochaine vidéo, la prochaine musique qu'elle va sortir. Elle va dire que l'arrangement là, Apuchu n'a pas respecté. Tous les clashs vont recommencer. Après, elle va commencer à dire voilà. La musique, si vous voyez là, mais d'abord, je dénonce tout ça à l'intérieur et tout. Et les gens vont encore courir pour aller voir. C'est bien, hein? C'est ce que je suis en train de dire là, ce n'est pas que c'est mal. Tout ce qu'on fait sur la toile là, chacun a ses objectifs. Donc, j'étais juste en train de. C'était juste un peu temps, je vais dire ça comme ça, pour faire la remarque que les cas, ce que tu as fait avant Poutou, ça a marché. Que les gens crichent un peu par rapport à ça. Que d'autres artistes bracata qu'on a sur la toile, ou bien même ce n'est pas seulement dans la musique, dans n'importe quoi que vous faites, il faut aussi cricher les stratégies de communication. Vous voyez aussi, on fait parfois le jeu de mots avec les titres là et tout. C'est bien vrai qu'on titre en fonction de ce qui se passe dans la vidéo, mais tout ça c'est la communication. Allez vous abonner sur sa page YouTube parce que même les abonnés, quand je constate, elle a 2007 abonnés. La première fois que j'ai regardé ça. Ce n'était pas comme ça, et je me rappelle plus bien, mais ce n'était pas comme ça. D'ailleurs, les gens qui l'ont découvert par ça, comme moi par exemple qui bavarde là, j'avais vu cette vidéo, je vous ai cité les deux vidéos que j'avais regardées, mais moi je ne la connaissais pas. Je vois une dame qui marche avec le pantalon, qui se perçait par derrière ça. Fashion Police publie, c'est aussi là-bas que j'ai vu. J'ai vu une photo, je ne sais pas d'où, qui avait publié ça, le levier de vitesse c'était le GOAT. J'avais vu ça. C'est l'autre jour quand elle parlait dans ces machins avant Apuchu que voilà la vidéo qui a fait un nombre de millions de vues. Vous croyez que c'est Robert? Est-ce que j'ai besoin d'Apuchu pour ça? Que j'ai constaté que ah, c'était dans la fille ici qui était dans la voiture et tout et tout. Donc c'est comme ça aussi qu'on se fait connaître. Donc allez vous abonner sur sa chaîne YouTube. Il ne faut pas que quelqu'un vienne aussi dire que non, elle m'a payé pour parler d'elle. Non, non. Moi, je suis juste en train de parler comme ça. Je suis étonné et j'apprécie aussi la stratégie de communication. Vous savez, si tu essaies de faire de la musique, ça ne donne pas. Et que tu es dans le milieu de Facebook, tu connais comment Facebook ça se passe. Tu utilises une stratégie de Facebook pour te faire connaître. Et elle a juste utilisé ça. Apuchu, qui, ça fait un an qu'il crie sur la toile. Il faisait les oui, Arafat de Wado avant. Arafat est décédé. Il a commencé à faire les vidéos maintenant, public et tout, faire les bruits comme il fait là. Actuellement, là, son état brille, on peut dire, parce que. Tu peux pas faire un pas en Côte d'Ivoire maintenant. Quand il dit en Côte d'Ivoire, c'est dans les réseaux là, des Ivoiriens ou quoi, sans voir Apuchu dans tous les dossiers, il est dedans. Il n'est pas seul. Il y a encore un autre là qui parlait sur Arafat, Déborda, Arafat, il supportait Arafat. Lui, il faisait même sur YouTube. Mais quand Arafat est décédé, c'était d'abord mort pour lui quelques temps, on s'entend. Puis après ça, il est revenu maintenant, il est dans tous les dossiers, comme Apuchu, celui qu'on appelle l'unique. Moi, j'ai oublié le nom qu'il utilisait sur YouTube parce que je le suivais. Peut-être quoi en 2018, comme ça, là, il avait un autre nom, il utilisait sa page YouTube pour faire ses vidéos là-bas. Il parlait d'Arafat, il supportait Arafat. Il y avait le clash Arafat de Bordeaux, il était toujours là, toujours sur YouTube qui faisait ses directs. Mais quand Arafat est décédé, il a d'abord un peu chômé. Et après ça, il a commencé à faire ses vidéos sur Facebook. Il avait une page Facebook, mais il ne faisait pas les vidéos là-bas en vrai. Maintenant, il est dans tous les dossiers. C'est devenu un nouveau système chez les Ivoiriens, on peut dire. Donc, si Claire a utilisé ce moyen-là de buzz que les Ivoiriens emploient pour se faire connaître en quelque sorte, elle a dû payer pour ça. Et après, tout vient crier tous les jours, vous voyez, comme il dit qu'il travaille là, c'est son travail. Il a pris de l'argent pour ça. C'est une bonne chose parce que ça a payé.
clair, car je te félicite parce que ton clip, si tu ne faisais pas ça, je suis pas sûr, ton clip pouvait être comme les autres vidéos là, qui passent un peu de partout et c'est inaperçu. Bon, les autres vidéos qu'il y a sur ta chaîne, je voulais dire, où il y a les deux vues, les ceci, cela. Mais avec ton clip, les gens sont venus, ils ont vu le clip. Après, ils sont partis comme moi. Regardez, que, mais qu'est-ce qu'il y a même sur la chaîne de la fille ici? Voir certaines choses, voir certaines choses. J'ai même vu à un moment là, j'ai même cru que c'était Fleur de Lis, tu avais porté les lunettes et tout. Non, c'était pas elle. Voilà, tu l'as un peu ressemblé. Donc, j'ai feuilleté, j'ai un peu cliqué sur d'autres en fonction des titres aussi que tu as mis et tout. Et ça a augmenté les vues. Donc, la stratégie a marché. Je conseille donc à ceux qui veulent aussi faire comme elle là. Ça, ce n'est pas forcément dans la musique. Il faut cricher ce genre de technique. Il faut pas aussi, ce n'est pas seulement les techniques pour venir insulter. Hein. On s'insulte là. Non, il y a plusieurs trucs. Et vous connaissez là, de quoi il s'agit. Donc, comme d'habitude, je termine toujours en vous disant portez-vous bien et rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao, ciao, du côté du Togo.